Et nous sommes repartis d'XCOM 2. Alors, croyez-le ou non, la dernière fois nous avons... Oh non, lâche-moi. Pendant un temps, j'ai travaillé comme biochimiste dans l'industrie pharmaceutique. Alors nous avons de la chance de vous compter. Oh mon dieu, ça arrête même pas la conversation. Ça arrête même pas la conversation. Nous avons one shot, nous avons exécuté un des chefs aliens. Le plus chiant, c'est celui-là qui vole. L'archange, extrêmement relou celui-là, c'est le pire, enfin pour moi en tout cas. Vraiment très très content. Alors, on va revenir au vaisseau. On a eu un peu de casse. En fait, à cause de lui, on a eu des petites blessures, tout ça. Mais ça va, c'est surtout le robot en fait qui a pris cher. Il a pris pas mal de dégâts, même fait crever en fait. Il a 10 jours. Après, on a quand même tous nos mecs qui sont encore bons. On a des missions secrètes qui sont en train de se faire, qui vont être finies. Nous avons l'entraînement de frères niveau 2. Donc ça, c'est bien. Donc du coup, on aura lui et lui. C'est pas vraiment des gens importants en fait qui ont monté de niveau, c'est marrant. Hein. Enfin là on a presque, vous voyez que là il y a la barre en dessous là. Nous on a presque Lupo qui est prête. Enfin voilà, on a des bons personnages qui sont prêts. Donc ça va venir. En tout cas nous sommes en train de faire pas mal de bordel. Nous avons des ressources. On va regarder un peu vite fait. Votre ordre pour commencer, commandant. Terrain d'essai, on est en train de faire des armures. Commandant. Fabrication d'objets. Nous allons les Sentry Gun qu'on pourrait un peu utiliser aussi. Des détecteurs, des fultons. En armes, nous avons du lance-flammes. J'ai l'impression que ce truc, je l'avais déjà utilisé avant. C'est le robot, faudrait le construire. Enfin, on le construira quand on aura plus de ressources et tout ça. Parce que pour le moment, on peut pas se permettre. Gilet nanométrique, on n'en a pas besoin. Ouais, non, il n'y a rien. Il y aurait ça et ça, en fait. La lame électrique, mais comme j'ai dit, la lame électrique, on en a vraiment pas besoin parce qu'à chaque fois on utilise ou la hache ou alors ses mox avec ses gants ou alors c'est la templière qui a autre chose. Donc on va rester comme ça. Le psylab aussi pour l'augmenter, on peut pas encore l'augmenter parce que la deuxième cible monte des cristaux. Alors à la limite, je dirais peut-être qu'on va acheter des trucs, mais je suis pas vraiment sûr. Pour l'instant, je pense pas. Comme j'ai dit, pour éviter le problème d'Avatar, ça n'a rien à voir, pas du tout pareil. Le problème, projet Avatar, on va continuer à faire le coût réduit. Calcul du nouveau cap du Talion. Et on va prendre contact, c'est le plus important. Après là, on a du renseignement, donc on va continuer ça, c'est le plus important. Ok, welcome. Réduit de 50, très bien. Alors là on pourrait aller prendre du renseignement, mais on en a déjà un peu. C'est combien? C'est 7 jours, c'est quand même beaucoup, parce que moi j'ai un peu peur que le projet Avatar nous foute dans la merde. Donc là du coup je dirais on contacte la nouvelle Indonésie. Et après on aurait donc armes de volontaires. Établissez des contacts avec... Un soldat de la résistance est susceptible de rejoindre l'escouade XCOM à chaque mission. Sympathique ça! Sympathique! En fait, pourquoi je veux cet endroit? Parce qu'il y a deux crans. Il y a deux crans. Après, le prochain deux crans qu'on a, c'est ici, l'Europe. Sauf que le laboratoire offre des réductions de bonus du temps de recherche de 20%. Alors ça, c'est bien au début. Mais on est allé tellement vite, en fait, dans les recherches, du fait qu'on a très bien joué. Genre, on a récupéré... beaucoup de cadavres, on a récupéré, on a tué les chefs aliens, tout ça. Honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Et puis ce bonus est voué à ne plus être utile. Parce qu'une fois que vous avez tout recherché, bah du coup, bah, vous avez rien à rechercher, vous voyez ce que je veux dire.
Là, on a tous les projets d'armure et gilet sont instantanément terminés. Ouais, mais ça, il faut deux crans en plus. Donc, ça veut dire qu'il nous faut... il nous faudrait... la tour et la nouvelle Inde. Ou alors... Non, non, non. Il faudrait les deux crans, là. L'Asie de l'Ouest et le nouvelle Inde. Normalement, on devrait avoir les quatre. Et après, il faut la tour. C'est top, mais bon, ça demande trop de ressources. Donc, on va faire ça. 80. Très bien. 80, c'est très bien. Et ce qu'on pourrait faire encore en plus, c'est par exemple faire ça. Faire la tour. Et tout ce qui est adjacent va baisser. Donc là, ça demandera encore moins. Mais bon, faire la tour, c'est de 5 à 7 tours. Ça sera encore 150 de ressources qui part en l'air. Donc à la limite, je préfère mettre ça. Voilà. Commandant, nos capacités de communication sont à leur maximum. Si nous voulons pouvoir établir de nouveaux contacts, en tout cas, on aura... notre système. On aura déjà la possibilité de foncer sur une base. Les soldats blessés ont dû être soignés après la dernière mission. Quelques jours de repos, et ils seront prêts à reprendre du service. Nous avons reçu de nouvelles informations sur les élus. Nous devrions avoir moins de mal à les traquer. Nous avons fini de traquer, nous pouvons désormais sélectionner une mission pour prendre sa forteresse d'assaut. Commandant, la résistance vient de nous informer qu'elle a trouvé un moyen d'entrer dans la forteresse de l'élu. Cool. Saisissons cette occasion pour aller livrer bataille directement chez les anciens. Je viens d'apprendre que nous avons de nouvelles occasions d'attaquer les anciens. Si vous voulez les pourchasser. Intéressant, on peut déjà attaquer. Alors, je dirais non, pas maintenant. Je préfère encore un peu monter de niveau. Je préfère avoir les armures augmentées. Je préfère avoir les armures augmentées quand même. Ouh, pas mal ça. Pluie de balles, c'est pas mal. Les pluies de balles, c'est intéressant pour tout le monde en fait. Réflexe chaque tour, premier tir, réflexe contre, vous sera manqué. C'est pas mal aussi. Attends, il y avait écrit quoi? Confier, ok. Voir les améliorations. Désolé, hein, parce qu'il faut que je me remette un peu dans le jeu, voir ce qu'on avait fait, parce que je me rappelle pas de tout exactement. Alors, pour les escarmoucheurs, on a récupéré le butin. Donc là, ça va nous donner une mission pour aller récupérer des trucs. Certains de mes hommes sont tombés sur un camp d'Advent, mal préparé, nous avons facilement neutralisé leur défense. Venez donc profiter de leur défaite. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce qu'on doit faire pas mal de ressources. Ça veut rien dire. On doit faire pas mal de recherches et crafter des choses. Donc ça, c'est intéressant. Ralentir le progrès d'Avatar. Pas trop nécessaire. Alors lier les frères d'armes. Pas besoin. Ralentir, pas besoin. Gagner point de capacité. Point de capacité, c'est très intéressant. Indice sur une installation. J'ai envoyé des éclaireurs. Il semble y trouver quelque chose sur le lien du fameux projet Avatar. Si nous trouvons la nouvelle installation des anciens, le faire sauter sera plus qu'une formalité. Donc ça va nous permettre. Ça va nous permettre de voir. Une base d'avatar sans avoir à faire un lien en fait avec le continent. L'élu sorcier partie 2, j'ai bien envie. Augmenter les revenus. Nouvelle Afrique, revenu augmenté de 15, pas beaucoup. J'ai envie de faire récupérer le butin pour le moment parce qu'on n'a pas vraiment besoin, on n'a pas trop de problèmes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Soldat blessé, mais c'est faible. Récompense de sa mobilité 2, risque annulé, soldat capturé. On peut, si on donne du renseignement, mobilité plus 1. Qui c'est qui pourrait gagner en mobilité? Enfin, la mobilité, c'est bien pour tout le monde, hein, mais. On pourrait mettre Vector en mobilité, parce que c'est vrai que Vector, il n'avait pas beaucoup de mobilité. Ça peut être intéressant. On va mettre l'arme basique. Et
Il faudra un sergent après. Alors, on va mettre quelqu'un qui est pas vraiment utile. Fais voir. Ranger. Spécialiste. 4 jours. Spécialiste 12 heures, ça va, il pourra venir. Ok, spécialiste alors. Et 25 renseignements. Je sais pas. Est-ce que j'ai pas vraiment envie de balancer mon renseignement, moi. Il y a une chance qu'il se fasse capturer. Ça me ferait chier que ça soit lui qui se fasse capturer. Mais après, on peut les sauver. Et puis, embuscade capturée très faible. Donc ça, enfin faible. Allez, on fait ça. Mon peuple fera ce qui doit être fait. Ah, très bien. C'est 9 jours. Voilà. Plus tard, on pourra en faire 2, je crois. Mission secrète, 33%. On peut pas en faire 2 déjà. Bon, alors peut-être qu'il y en a déjà encore une. Attendez, on a envoyé 2 mecs. Entraînement, mission secrète, mission secrète. Non, je sais pas. Je sais pas trop. On verra ça plus tard. Ok, contact. Ça ne vient pas de chez nous. Ici, tout a l'air ok. C'est comme si notre propre signal rebondissait. On a un intrus! Je cherche une faille. J'y suis presque. Là! C'est l'une de ces choses. C'est mauvais signe. Ce qu'on va faire. Commandant, nous devons le neutraliser tant que nous le pouvons. Nos forces sont prêtes à être déployées. J'attends votre ordre. L'élu a obtenu des informations lui permettant de nous retrouver, commandant. Tenons-nous prêts, ce ne sera certainement pas une partie de plaisir. Ça, c'est, que vous continuez, c'est parce qu'on a trouvé sa base, je crois. Je vais venir à vous et nous combattrons sur le seuil de votre refuge. Les élus ne font pas semblant. Ils viennent pour nous éliminer. Nous pouvons envoyer 2 escouades pour défendre le Talion et vous protéger, commandant. Commandant, Taigan et Shen seront furieux si nous ne faisons pas bon usage du Jack. Mais ferme ta gueule. Nos soldats doivent en être équipés avant notre déploiement. Commandant, nous pouvons renvoyer des soldats blessés au combat si c'est nécessaire. Cette opération est vitale pour nous. Nous n'aurons peut-être pas d'autre choix si nous voulons continuer. Commandant, cette opération doit être menée à son terme, même si nous devons renvoyer nos soldats blessés au combat. Nous devons réussir à tout prix. C'est bon ? T'as fini de parler ? On est limité un peu en ressources. Ok, c'est pas mal. Un répéteur avancé, très bien. C'est ce qu'il nous avait sauvé la dernière fois. Là, t'as quoi, t'as répéteur? 5%. Foutage de gueule, là. Mission griffe avec elle, ça va être bien.
cherche le lance-carreau. On a une armure exo à mettre. Ah, c'est vrai qu'on a le templier aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On prend templier à la place de Mox. Ou à la place de lui. Ça va être Lupo. Ou alors non. Ouais, mais là du coup on peut... Ouais, on est un peu limité en objet, donc on va... Griffe L. Ok, très bien. Par contre, je vais voir si on peut pas... Ah merde. Bon, c'est pas grave. Faudrait que je regarde. Je vais regarder 2 secondes l'équipement des gens. Parce que je crois que les gens vont venir aléatoirement. Hein. On est d'accord? Go. On a perdu trop de temps déjà. Let's go. Commandant, un de nos soldats doit être équipé du jack et devra l'utiliser sur le terrain si nous voulons atteindre notre objectif. Ah, ça c'est la deuxième équipe. Ok, ça marche. Ranger, on va pas le mettre. Pourquoi on est à 2 équipes? Je comprends pas. Ça a changé? Je suis un peu perdu là, j'avoue. Je vois pas pourquoi on a 2 équipes. Hein. Alors, c'est peut-être moi qui... Ah putain, faut construire des trucs. Ça coûte cher. Au spectre. Allez, go. Toi, t'as 20 AP.
augmentera les dégâts. Si vous êtes par un tyrannien, il riposte en tyrannien et pisse une voix par toi. C'est pas mal ça aussi. Go. Donc je dois avouer que je me rappelle plus trop pourquoi on a deux équipes. La mission risque de durer longtemps, on va peut-être la couper en deux par contre. Hein. Je préviens au cas où. Mais pourquoi on a deux équipes? Là c'est juste le canon qui nous attaque. Ou alors il y a une équipe qui va venir petit à petit au compte-gouttes. Enfin moi de ce que je me rappelle c'est ça, non? Je sais pas, on va voir comment ça se passe. Très mauvaise mémoire. C'est parti. Votre attention à tous, ceci n'est pas un exercice. Les élus tentent de donner l'assaut à grand renfort d'artillerie lourde. Préparez-vous à défendre le vaisseau. Nous devons neutraliser ce canon. Les tourelles de l'ennemi pilonnent le vaisseau. Nous devons les neutraliser avant qu'elles ne percent la coque du Talion. Commandant, cet élu est arrivé avec un énorme canon d'artillerie. Nous ne pourrons jamais décoller tant qu'il nous prendra pour cible. Le canon est alimenté par un générateur d'appoint, sur le camion, là-bas. Il va sûrement lui falloir un peu de temps pour recharger, mais si nous le détruisons, le canon en lui-même ne servira plus à rien. C'est parti. Je vais où vous voulez. Il ne sert à rien de vous cacher. Ah, du monde. Cette chose semble prête à tout casser. C'est une combinaison de survie? Cette chose ne supporte peut-être pas notre atmosphère. Ces sécrétions pourraient être toxiques. Soyez prudent, commandant. Je me déplace. Là, on a deux équipes, bien ce que je pense, d'accord. En vigilance. Then we're all in agreement. Alors attends un peu. No problem, boss. What's over there? Tired of waiting around. J'ai peur que l'autre se fasse voir. I guess that'll be okay. On va faire seulement avancer l'équipe si elle se fait voir. La pète un peu. Insensible aux explosions, on peut appeler des lanciers. Chance de riposter contre les tirs manqués. C'est une des grandes. Ni les tirs vigilance, ni les tirs de réflexe. Ah ben putain. On aurait dû prendre le robot. Oh, ça va. Commence mal. Soyez très prudent. C'est l'assassin des anciens. Et elle arrive droit sur la zone. Je saurai vous retrouver. Ah oh, mon dieu, il y en a beaucoup. Une patrouille extraterrestre. Il y en a beaucoup. J'y vais. Pas la peine de fuir. Oh, tout ce qu'il y a, mon Dieu. Je me tiens. Thank you.
Oula. Action de l'élu. Les anciens m'accordent leur vision. Et grâce à elle, je suis partout à la fois. Je vais me placer. Vous ne m'échapperez pas. Les envahisseurs envoient une patrouille. Oh mon dieu. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on a des snipers. On va les placer. Ah, t'as très 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 bien. Je vais voir l'autre sniper. Très bien. On en a que deux. Ouais, c'est vrai. On a même les canons aussi. C'est très très bien. Très bien, très bien. Vous voyez pourquoi c'est utile de l'avoir là ? Cool. Alors attends, toi tu voyais ça. Toi tu... Oh pardon, pardon, je vais pas mettre pause. Toi tu... Il va peut-être les déplacer, il faut que se mettre à côté, je sais pas, peut-être là, ou alors là. Je sais pas. Là, il faut qu'elle s'avance. C'est un corps à corps. Ne rêvez pas. Votre pouvoir n'égalera jamais celui des anciens, ni même celui de leurs serviteurs. J'avance pas les gens. Ok, on est bien là. Je n'ai pas de Il nous faudrait augmenter les défenses aussi pour avoir plus de tourelles. Ok, c'est cool. Feu à volonté les mecs. Feu à putain de volonté. Très bien, c'est ton blindage qui a pris. Tirer un peu plus. Je ferai mieux la prochaine fois. Très bien. Protecteur. Cool. Cool, cool, cool. Oh, ça va être chiant le bruit. Peut-être parce qu'on était... Ouais, elle était toujours en train de bouger. Oh, là, ce serait une... beau de mettre une explosion, là, de faire une explosion. Je vois même dans le noir. Il y a l'élu qui va attirer dans nos camps. Dans notre camp, ça va être un peu le bordel. On va d'abord s'occuper d'ici. Ok, on a le robot en haut, on a lui. Ok, ok, ok. On a du toxique. Je crois que le mieux ce serait... Ça serait une bonne requête, ça ferait du ménage, ça exposerait les autres. Il y en a deux, faudrait les exposer. Et après on s'occupe du robot seul. Je pense. On pourrait faire ça. Comme ça. Comme ça c'est pas mal, ça exposerait pas mal de monde. On a ça. Donc on a le protocole de combat.
Ce qui est bien, c'est que même les tourelles, elles peuvent faire ça. Elles peuvent tirer sur les choses, donc ça c'est cool. Ça fait chier parce que... lui, il est pas du tout au bon endroit. Donc ça, ça casse un peu les couilles. Le laser, le coup de fouet est intéressant. Le coup de fouet est intéressant. Ça va faire des dégâts, des gros dégâts même. Protocole de détraquage. Where am I going? On a une extinction à 68%. On a une... ouais, on va le faire ça, comme ça, ça évitera d'utiliser les attaques des drones. Parce que les attaques des drones sont limitées et on... ça passe, ok. Les attaques des drones sont limitées, donc du coup, j'ai pas envie de tout balancer dès le début. Parce que les attaques de drones, vu que c'est du 100%, c'est pas mal sur l'élu. Parce que l'élu, vous vous rappelez, si on loupe, la truc elle contre-attaque et tout, machin, etc. Donc ça, c'est chiant. Voilà, extinction deux tours, là on est bon. Lui, on est tranquille. Maintenant, il faut s'occuper des autres. Donc toi, t'as deux grenades, je pense qu'on peut faire ça. Comme ça. Comme ça, tout le monde voit. Et tout le monde a une belle vue. Catch. Voilà, il y a eu un explosif. L'autre, il a brûlé. Enfin, il a explosé. Ça fait 2, 15. Très bien. Tu vois que lui. C'est emmerdant ça. Alors elle, comme je disais, c'est à la limite c'est mieux de la laisser en réflexe. On a une confrontation, ça peut être pas mal. D'avoir un peu. D'accord, pas mal. Waouh. Oh merde! La confrontation. Oh, je pensais que la confrontation c'était gratuit. Oh, ok. Lui faut le tuer, hein. Lui faut le tuer, faut absolument le tuer. Il a encore 4 points de vie. Ça, c'est bien. Lui faut que il se fasse des points. Tu vas me dire que c'est trop loin. Subissez le pouvoir des Templiers. Faut qu'elle charge en fait. Faut qu'elle charge, oui. Ça c'est gratuit. Deflection.
okay, on est bingo. On ils est bingo. Sont remplacés à la minute où ils tombent. Alors elle, faut pas qu'elle se fasse voir. Je me déplace. Normalement, une fois qu'on a détruit le canon, c'est bon, je crois. Merde. Elle est plus à portée du canon. Elle est trop loin. Je suis à vos ordres. Vous n'irez plus nulle part. Non, lui, il voyait pas le canon. Par contre, s'il se met là, il peut. What's over there? Hit the armor. Je sais pas pourquoi Lupo elle est là. Et pas derrière. Je sais pas, bizarre. En route vers la position indiquée. Viens par là. Putain. Ce n'est rien, paix. Ça a tiré. De 384, on passe à 304, ça va. Tous nos voyants sont au rouge, commandant. On ne peut pas se permettre de subir ce genre d'attaque. Faut que personne avance. Je vous retrouverai toujours. Vers l'éclaireur, et on est bon. Genre là, ça fait un peu peur. Après, l'élu va arriver. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Il est temps de mettre un terme à ce combat, une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, votre talion va tomber. Ça marche. L'élu est à portée de feu. À nous de l'abattre. Mes réserves ne sont pas finies, commandant. Oh putain! Allez, on se reprend! Faites de la merde. Elle est partie où elle? Ok, elle est dans bon le coin. Sang. L'un de nos soldats est blessé. Il se retrouve vulnérable aux attaques elle de l'élu. Pile là. Remettez-le sur pied au plus vite. Attendez. Mais attends. Elle est partie là-bas. Là. Y'a pas quelqu'un de plus près? Mox. Elle est là. Elle est là, exactement là. Ok, cool. Non mais oh ok. Alors s'il vous plaît, là on arrête les ratés à 75%. Parce que ça va me foutre dans la merde. Alors que ça se passait très bien. Sans grande importance. Donc on va commencer à arrêter de ces conneries là. Personnellement, ça a commencé à m'énerver en fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est la geler l'autre. Mais on va peut-être pas pouvoir. Thank you.
toute façon, quand ça s'est détruit, on se casse. Hein. On va pas rester pour s'amuser. Hein. Ça, c'est con que toi tu tues pas. Faut qu'on t'augmente les dégâts. Faut qu'on en mette un bas. Et qu'on la défonce. Je pensais à toi. Alors c'est peut-être mieux de défoncer celui-là qui est en hauteur, non? D'abord. Parce que c'est le plus dur à avoir, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais peut-être dû le déplacer en fait avant de faire ça. Non. Pour les Templiers. Voilà. Elle est là. On pourrait se mettre devant, tout simplement. Je suis en route. De toute façon, l'autre, elle va nous attaquer. Voilà. L'autre, elle va nous attaquer. On s'en fout qu'on soit derrière une. Une protection ou quoi que ce soit. Donc maintenant, je voudrais quand même bien la freeze ou l'empoisonner, la dame. Alors, attends. Elle est immunisée contre les explosions, mais elle n'est pas immunisée contre le toxique. Alors on avait dit qu'elle était... Là. On la gèle ou on la trouve en l'intoxique? La gèle, c'est mieux, non? I'm going. Attends, verdière vérification. Là, il y a bien une zone où on peut se mettre. Donc elle est là, ok. Désolé, hein, mais je veux pas me louper, hein, c'est pour ça. Take this. Une frappe de lâche. Eh ouais, peut-être pas me faire chier, les connasses. Là j'ai peur qu'il va trop être exposé, on va pas le faire. Je voudrais bien l'avancer là. Mais il risque d'être exposé à gauche. Ce qui risque d'être légèrement emmerdant. Dégâts 32, tout de ma gueule. Ah, c'est parce que ça explose. Canon neutralisé. Il ne nous reste plus qu'à éliminer les dernières forces ennemies sur le terrain. Bon, ça c'est une chose de faite. Très bien. J'ai envie de mettre la clé mort ici et tout faire péter. Mais dans un sens, j'ai envie de la garder pour l'élu. C'est un peu... Je suis un peu mitigé en fait.
un peu mitigé sur quoi faire. On a qu'à se mettre là. Je change de position. Je tiens la position. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'élu maintenant ? That's the stuff. On se déplace vers elle. Et on essaye de la défoncer après. Je dirais que ce sera le meilleur des choses. This way. Awesome. Ok, on va se mettre en vigilance. Ouais, on va se mettre en vigilance. Personne ne passera. Affirmative, covering now. Juste au cas où si des gens arrivent. Les anciens n'accepteront aucune excuse, aucun échec. Moins un d'action, elle ira moins loin. Bah, eux, il faut les faire péter, eux. Eux, c'est trop beau, eux, il faut les faire péter en même temps, là. Arriver sur. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Rat de marée. Ah, oula! Ça va. On est sonné, mais ça va. Face à un véritable maître, le désespoir n'a rien de honteux. Là, elle a fait une grosse connerie. Elle a fait une très très grosse connerie de rester là. Mais c'est, vous savez pourquoi elle a fait ça? Parce qu'on lui a enlevé un point d'action. Là déjà, c'est trop beau pour pas le faire. Donc, fuck. Pas toucher, tout toucher. Un piège mortel. Toi, tu fais travailler avec qui, mec? Travailler d'équipe avec. Ok, ok. Ok, alors faudra faire péter ça. Alors. Toi t'es sonné, toi t'es sonné. Action épuisée. Est-ce que tu peux les stimuler? Non. Je réfléchis parce qu'il faut faire le plus de dégâts possible et il faudrait la freeze, la gel, machin. Etc. Elle, elle va pas bouger. C'est pas des élus, pas des chefs. Donc on peut la regeler. Alors je sais pas si ça la gèle ou ça lui enlève juste un point, je me rappelle plus de ça. Qu'est-ce que ça dit? Je l'ai, ok, ça marche. Ok, elle est en couverture, donc faudrait... Colère. On va s'approcher d'elle. J'espère que ça va marcher. Ah, c'est bon. Malgré vos efforts, la chasse continuera. Vos crimes contre les anciens ne seront pas... Ah, j'aurais dû peut-être pas me mettre, parce que je voulais l'intoxiquer en même temps. Là, je peux plus. Là, j'ai un peu enlevé le coup de l'intoxication. C'est pas extrêmement grave non plus. Ou alors l'acide.
acide, ça aurait pu être pas mal. On peut l'acidifier. Faudrait détruire ce putain d'arbre à la con. Qui peut lui enlever l'armure? Les grenadiers. Parfait. Rechargement gratuit. On va lui détruire l'armure. Et plus, vous voyez que là, il y a un carré sur lui. Donc, ça va augmenter la précision des gens. Très bien. Très bien. Et du coup... Ah bah, il peut rejouer. Ah non, c'est un autre, pardon. Ouais. Ok, on est pas mal. Voilà, on a du visée holographique. 75, plus 15. Toi, t'as combien de points d'action? Ok, on t'a fait déjà avancer. Ah, merde! Vous n'avez donc pas le courage de vos convictions. Bon, elle a plus qu'un point d'armure. Je crois pas qu'on puisse l'enlever maintenant, le point d'armure, ce qui reste. Une attaque cinglante. Critique, 8, très bien. Son armure tire les jeux. Je me battrai pour l'éradication de votre espèce. Réanimation. Oh, j'avais oublié ça. Ça va pas m'utiliser. Point d'action, on est d'accord? Non. Ok, très bien. Très bien. Bien joué tout le monde. Autrefois, il aurait été impensable que je puisse perdre un combat. Mais je crois que vous avez encore gagné. Nos soldats ont bien mérité de se reposer après avoir neutralisé cet élu, commandant. Je doute fort que nous revoyons cette créature de sitôt. If you say so. Ça se passe bien, ça se passe bien. Maintenant, il faut faire faire péter ça. On va se mettre là. Je vais où on a besoin de moi. Au cas où, si elle se fait découvrir en fait. Je me dirige vers la position. Je ne laisserai passer personne. Let's rock. Voilà, on devrait. On n'a pas beaucoup de gens devant nous. Enfin, ils sont lents à venir, donc ça va. On est protégé. J'ai marqué la cible. Ah, ça fait chier, on a mis la truc pour rien. J'ai l'impression. Sure. Ok, très bien.
Pourquoi c'est pas disponible? Là par contre je comprends pas pourquoi c'est pas disponible. On va voir si un sniper peut pas tirer dessus. Ouais. Ok, c'est pas mal. Voilà. Alors eux ils sont activés, faut faire gaffe. Mais bon, vous avez vu les dégâts qu'on leur a fait, ils sont quasiment... C'est du caviar là qui arrive, hein. C'est du caviar. Hein. Surtout qu'on peut faire ça. Enfin, ça on s'en fout. Là on a 0%. 4, 5... Ah, on a des pourcentages quand même, hein. On a des gros pourcentages négatifs aussi, mais... Voilà une tourelle de moins, mais nous devons encore nous occuper des autres. Restez sur vos gardes. Elle faudrait qu'elle rentre par contre. J'avance. Give a fire shot. Ready to engage. Désolé, je me concentre un peu. Vigilance confirmée. Très bien. Pour la protéger si elle se fait découvrir en fait.